but I know the one who brought me here. So let the sky fall, let the sky fall. Though I might be fidèle, ta spirituelle, qui peut en faire des questions, nous saluons en nom de Jésus. Nous rentrons avec un pile retard, tu as quelques petits problèmes techniques. Donc, nous rentrons avec un pile retard. Aujourd'hui, il y a quelques problèmes techniques. Donc, voilà, c'est la technique, la technologie. Nous avons fait le foie, entraîner un problème technique. Donc, nous souhaitons qu'on comprenne ça et excusez-nous également du fait que aujourd'hui, nous rentrons avec six temps de retard. Nous saluons. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous pensons nous allons passer un petit temps ensemble dans la prière pour chercher mon Dieu, notre Maître, notre Seigneur, notre Libérateur. Nous saluons quelques accoutoyés, nos amis de Paris, d'Haïti, de la République dominicaine, des États-Unis d'Amérique. Nous saluons du Brésil, du Chili, du Canada. Nous saluons et souhaitons, mon Dieu, dans la grâce et répandre en belle bénédiction sur chacun de nous. Nous pas périter, nous pourrions retourner dans pour 7 secondes pour nous méditer ensemble sur le psaume 103. On a regardé, on a considéré verset 3 et 4 dans le psaume 103. Verset 3 et 4. On a retourné dans pour 7 secondes. C'est ça, nous retourner comme nous t'ai annoncé. Donc, nous avons réfléchi sur le psaume 103, nous avons regardé verset 3 et 4 dans le psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça, c'est ça, le psalmiste, l'homme expérimenté, l'homme qui connaît son Dieu, l'homme qui connaît, qui vit avec son Dieu, l'homme que Dieu a élevé en dignité. Donc, l'homme qui fait expérience avec son Dieu, c'est ça qui écrit dans le psaume 103, le verset 3 et 4. Donc, le psaume 103, c'est un psaume qui invite, qui lance une invitation à travers lequel l'auteur, le psalmiste David, lance une invitation à l'action de grâce à Dieu. Une invitation à l'action de grâce à Dieu. Ça, c'est ce que David veut enseigner aux chrétiens, aux frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, il veut nous enseigner en des marques de reconnaissance et comment rendre à Dieu nos marques de reconnaissance. Comment rendre à Dieu des marques de reconnaissance. Donc David met en phase dans ce psaume pour rendre à Dieu des marques de reconnaissance. Il faut, il
il faut lui présenter des actions de grâce. Des actions de grâce. Alors voilà, et c'est ce que David veut que nous fassions, bien-aimé. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Et il a énuméré également les raisons pour lesquelles nous devons rendre à Dieu des actions de grâce. Voyez, accorde ses bienfaits envers nous. David écrit et nous enseigne à rendre action de grâce à Dieu, à manifester nos reconnaissances à Dieu parce qu'il pardonne nos iniquités. Frères et sœurs, nous devons manifester notre reconnaissance à Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, lui offrir des actions de grâce. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, Dieu nous a pardonné nos iniquités. Il a pardonné nos iniquités. Le pardon de Dieu de nos iniquités, c'est ce qu'on appelle un miracle sublime de la grâce de Dieu. Le pardon de nos péchés, c'est ce que nous appelons un miracle sublime de la grâce de Dieu. Pourquoi un miracle sublime de la grâce de Dieu? C'est parce que personne ne mérite d'être pardonné. Nous n'avons rien fait de bon pour que nous jouissions le pardon de Dieu. Nous n'avons rien fait pour cette grâce. Et c'est juste pourquoi on l'appelle miracle, parce que c'est une grâce. Nous n'avons pas le mérite, les mérites, non. Non, du tout pas. Oh, vous savez, ce miracle, il est manifesté pour les pécheurs, quelle que soit la dimension de leur péché. Quelle que soit la dimension de leur péché. Et même ce que dit, ce qu'écrit le prophète Ésaïe au chapitre 1er, verset 18, quand il dit, même si péché nous rouge tant qu'au cramoisi, le sang de Christ offert sur la croix pour le pardon de nos péchés par Dieu, à cause de son amour, est tout puissant pour nous laver et nous faire devenir plus blanc que la neige. Même si nos péchés avaient la couleur de la pourpre rouge, le sang de Christ est tout puissant pour nous purifier et nous faire devenir plus blanc que la neige. Vous savez, bien-aimé, lorsque bon Dieu pardonne péché, non, lorsque bon Dieu pardonne péché, non, quelle que soit couleur, péché non, les bons dieux pardonnés non. C'est comme si bon Dieu t'apprenait une pierre. L'écrit je pardonne. Quand Dieu nous pardonne, même si
quel que soit niveau péché, non, quel que soit couleur, quel que soit dimension, quand Dieu nous pardonne, bien-aimé, c'est comme si Dieu prend, n'est-ce pas, une pierre tombale et écrit « Je te pardonne, Smart. » Je te pardonne. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Et le psalmiste dit, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Il y a un Irlandais qui écrit et déclare, le Seigneur Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Et jusqu'au dernier, il refusera toujours d'en entendre parler. Un Irlandais écrit cette parole qui reste en mémoire. Il dit, le Seigneur Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Et jusqu'au dernier, il refusa toujours d'en entendre parler. Savoir que nos péchés ont été ôtés à tout jamais par le précieux sang de Christ, c'est quelque chose, bien-aimé, qui dépasse notre entendement. Qu'on n'ait que péché non pardonné. Donc on chantait comme ça dans le chant d'espérance. Oui, gon bagay qui plus que l'or, qu'on ait péché ou yo pardonné, c'est plus que l'or. Ah oui, c'est plus que l'or. Là, nous connaît péché nous pardonné et avec ça péché nous pardonné, les plus que l'or, oui, parce que l'or pas qu'à acheter. L'or pas qu'à acheter le sang et le sang du précieux Sauveur Jésus-Christ. Oui, mes amis, il y a un bagaille qui plus passe là. Qu'on ait péché ou mieux pardonné, c'est plus belle. Passe là. Donc, on chante quand il dit ça. Donc, c'est ce que bien, c'est ce que ce Irlandais lui répétait, lui écrit. Qu'on ait péché ou mieux pardonné, ça dépasse tout entendement humain. Donc, le deuxième bienfait que nul ne faut jamais oublier, deuxième bienfait de Dieu, c'est la guérison. Il pardonne nos iniquités. Le second bienfait que personne ne peut jamais oublier, c'est la guérison de toutes nos maladies. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Deuxième bienfait à ne pas oublier pour rendre action de grâce à l'Éternel. Il guérit toutes tes maladies. C'est la guérison de toutes nos maladies. Bien-aimé, avant d'aborder les questions de ce que cela soulève, notons que la guérison lui venait en deuxième position après le pardon. Mais on mettait accent sur ça. La guérison venait en deuxième position avec le pardon. Avec le pardon. La condition physique est directement liée à la condition spirituelle. C'est la raison pour laquelle la condition physique est liée directement à la condition spirituelle. À la condition spirituelle. Si toutes les maladies ne sont pas la conséquence du péché, certaines le sont. En
pile maladie physique sont la conséquence des péchés. C'est tout pas conséquence des péchés, mais en pile, c'est la conséquence des péchés. D'ailleurs, l'apôtre Paul révèle ça dans 1 Corinthiens. Elle dit, nous prenons, nous bois premier jugement contre nous. Les nappes fourrées bouche dans la scène. Nous mangeons pain qui symbolisait le corps de Christ. Bois du vin qui symbolisait le sang de Christ indignement. Indignement. Sans être réfléchi. Sans un examen de conscience. Nous manger et nous boire propre jugement contre nous. Il dit, c'est ça qui fait gain en pile infirmité dans le mi-temps, nous, comme ça. Si toutes nos maladies par conséquence péché, mais gain en pile là-dedans, qui c'est conséquence du péché. Là où il existe un lien entre maladie et péché, le pardon doit précéder la guérison. Là où il y a un lien entre maladie et péché, donc le péché doit précéder, alors le pardon doit précéder la guérison. Le pardon doit précéder la guérison. L'affirmation du psalmiste soulève cependant un problème important, frères et sœurs. Le verset déclare, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Or, l'expérience nous montre que toutes les maladies ne sont pas guéries. Qu'un jour ou l'autre, nous devrons mourir si le Seigneur ne vient pas d'ici là. Que veut dire ce verset? C'est nous t'a cherché, en cherchant une réponse, nous t'a fait tout simplement des remarques à travers ce verset. Nous t'a fait simplement des remarques. Première remarque nous t'a fait, nous t'a dit, toute guérison véritable vient de Dieu. Et première remarque nous t'a fait, toute guérison véritable vient de Dieu. Si ou t'es malade et que rétabli, ou besoin de rendre grâce à Dieu parce que toute guérison véritable vient de Dieu. Oh oui, si tu es malade ou guéri, ou besoin de rendre action de grâce parce que Dieu est la source de toute guérison. Bon Dieu, c'est source de toute guérison. Ça, c'est des considérations qu'il doit faire. Dieu est la source de toute guérison. Voyez? L'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament est Jéhovah Rapha, selon Exode 15, verset 26. Jéhovah Rapha qui signifie l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha qui signifie l'Éternel qui te guérit. Chaque cas de guérison authentique, yo imputé yo à bon Dieu. C'est bon Dieu qui guérit yo. C'est Guillaume Dieu qui guérit vous. Frères et sœurs, c'est bon Dieu. Ça, c'est la première constatation qu'il t'a fait à travers ce verset. Il dit qui te guérit, qui guérit toutes tes maladies. Voilà, qui guérit toutes tes maladies. Deuxième remarque que nous sommes capables de faire, c'est que le Seigneur est capable de guérir toutes sortes de maladies. Regardez en haut, nous te faisons remarque, nous te disons que, premièrement, toute guérison véritable vient de Dieu. Et si ou t'es malade, et puis ou rétabli en santé ou besoin de rendre grâce à Dieu parce que c'est bon Dieu qui source guérison. Et d'ailleurs, nous n'avons bon Dieu, c'est Jéhovah Rapha, selon Exode 15, 6. Et chaque cas de guérison authentique
imputé de Dieu, yo imputé de Dieu parce que c'est bon Dieu qui fait yo. Bon Dieu gagne touche li. Et deuxième remarque, le Seigneur est capable de guérir toute maladie. Deuxième remarque, le Seigneur est capable de guérir toute maladie. Oui, le Seigneur est capable de guérir toute maladie. C'est deuxième remarque. Pour le Seigneur, pas gagner maladie incurable. Pour le Seigneur est capable de guérir toutes les maladies et pour lui, il n'est plus question de maladie incurable. Parce que à ce Dieu, l'Éternel, tout est possible. Tout est possible. Bon Dieu, laissez mettre corps humain. Laissez le maître de l'homme. Du corps humain, il est le créateur de l'homme. Donc il connaît l'homme entièrement. Bon Dieu connaît tissu qui composé tout connu. Bon Dieu connaît capacité mentale nous. Il connaît sa cerveau nous capable kembe. Dieu il connaît tout. Il sait tout, il peut faire tout, il n'est pas borné ni limité par quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de maladie incurable pour Dieu. Pas de maladie incurable pour Dieu, bien-aimé. Troisième remarque à travers le verset 3 du psaume 3, troisième remarque, c'est que le Seigneur peut. Le Seigneur peut par des moyens naturels sur une période plus ou moins longue comme de façon soudaine et miraculeuse bon Dieu capable. Ça veut dire bon Dieu capable de guérir tout de suite et sous facto. Li ka pran tan avè yo, el ka opere miracle. Parce que il est le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Personne pa ka contrainte li. Personne pa ka passe l'ordre. Il est le Dieu suprême. Il est souverain. Donc, il n'existe aucune limite à son pouvoir de guérison. Pas de limite dans le pouvoir de guérison que bon Dieu gagne. Il peut guérir hier, il peut guérir à soi, il peut guérir demain matin, il peut guérir ce mois-ci, l'année prochaine, dans 6 mois, dans 1 an. Il peut guérir à l'instant. Li ka guéri à l'instant. Li ka fait miracle à l'instant. Le miracle est possible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Nous avons le Dieu de l'impossible qui n'est pas limité par quoi que ce soit. Il est souverain sur tout. Bien-aimés, frères et sœurs, quatrième remarque que nous pouvons faire à travers le verset 3 du psaume 103. Et rappelez-vous, la première remarque, je dis que toute guérison véritable vient de Dieu. Vous voyez, toute guérison véritable vient de Dieu. Dieu est la source de toute guérison. Donc d'ailleurs, l'un des noms de Dieu est Jéhovah Rapha, Exode 15, verset 26, c'est-à-dire le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit. Et le second, alors, deuxième remarque, c'est que le Seigneur est capable de guérir toutes sortes de maladies. Pour lui, il n'existe pas de maladie incurable. Troisième remarque, le Seigneur peut
par des moyens naturels sur une période plus ou moins longue, comme d'une façon soudaine et miraculeuse, guérit les capables. Et il n'existe aucune limite à son pouvoir de guérison. Il est Dieu, il est souverain, il est au-dessus de tout. Il peut faire ce qu'il veut au moment voulu. Mais rappelez-vous, pour notre Dieu et à travers notre Dieu, pour nous, Dieu a un temps marqué, un temps fixé. Il faut attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu signifie qu'il faut avoir de la patience pour attendre. Voilà pourquoi. Jacques écrit pour dire non, c'est pour nous avoir patience. Dans l'affliction, persévérer dans la prière. Soyez patient dans l'affliction. Persévérer dans la prière, car Dieu a un temps marqué, un temps fixé. Et le prophète Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, arrivé au verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre. Soit soudainement, soit rapidement, soit dans un temps plus ou moins long, suivant ce que Dieu veut. Et laissez-moi vous dire que si l'Éternel, pendant qu'au malade a souffert, si l'Éternel étend guérison dans son temps qui est long, ou pas besoin de peur, ou pas mourir dans la maladie. Si l'Éternel étend guérison dans son temps qui est long, ou pas mourir là-dedans. Si l'Éternel étend délivrance ou un temps qui est long, ou pas mourir sans être délivré. Si au bon Dieu étend guérison dans un temps qui est long, ou pas mourir sans être guéri. Si l'Éternel étend délivrance ou un période de temps qui est plus ou moins longue, ou pas mourir sans être délivré. Voilà ce qu'il faut savoir, frères et sœurs. Voilà ce que nous devrions savoir. Donc le temps marqué, le temps fixé pour Dieu est le temps de l'accomplissement de sa volonté pour nous. Rappelez-vous que ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Et c'est de cette manière que Jésus apprenait à ses disciples à prier que la volonté de Dieu soit faite dans la terre, dans les cieux et sur la terre. Voilà, et quatrième remarque. Toujours au verset 3 du psaume 103. Qui n'a prêté là, nous pas gâtant garder verset 4 là. Quatrième remarque. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, il guérit toute maladie, toute malade qui t'est présentée devant lui. Lorsque Jésus est sur la terre, il guérit toute maladie qui te vient devant. Selon Matthieu 8, verset 16. Le Jésus était sur la terre, dans sa mission, dans son ministère terrestre, il guérit toute malade qui vient devant. Voilà. Donc ici, le psaume 103, Jésus accomplit ce que David, son arrière-père, lit, écrit. Jésus, il fait que confirmer sa arrière-père, lui dit, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Et Matthieu, selon son évangile, au chapitre 8, le verset 16e, Matthieu rapportait pour dire, Jésus guérit pendant son ministère terrestre toute maladie qui devine devant. Cinquième remarque pour le verset 3 du psaume 103, là il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Cinquième remarque, lorsqu'il était sur la terre, pendant le millénium,
il guérira toute maladie. Dans la période millénium, Jésus a guéri toute maladie. Selon Esaïe 33, verset 24. Esaïe 33, verset 24. Jérémie 30, verset 17. Jérémie 30, verset 17. Même si je parle tout, mais regardez Jérémie 30, verset 17. Regardez ça. Jérémie 30, verset 17. Jérémie 30, verset 17e. Écoutez ça. Écoutez ça. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Cette Sion dont nul ne prend souci. La guérie plaire. La guérie, cette Sion dont nul ne prend souci. Là, pendant millénium, là, c'est cinquième remarque du psaume 103, le verset 3e. Pendant le millénium, le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri toute maladie. Selon Esaïe 33, verset 24, Jérémie 30, verset 17. À l'exception de ceux qui se révolteront contre lui. Tout le monde qui est révolté contre lui, eh bien, pas besoin de guérison ça. Mais tout le monde qui reconnaître comme le Messie, comme son Seigneur, comme son boss de délivrance, comme son libérateur, eh bien, la guérit tout. Et, moun qui pas d'accord sa yo, Esaïe 65, verset 20b, li montre ça. Yo pape joigne cette guérison. Bien aimé, quoique quoique ce verset puisse signifier le croyant n'a pas le droit de réclamer la guérison de toute maladie, le croyant n'a pas le droit de réclamer la guérison de toute maladie, car d'autres versets du psaume rappellent la brièveté de la vie et la certitude de la fin. Voilà. Mais pour nous, ce verset déclare que chaque fois qu'un enfant de Dieu est guéri, il a le droit à la miséricorde de Dieu. La miséricorde par miséricorde. Et le conscient, à chaque fois au malade ou guéri ou de conscient, ou doit manifester grâce, la gloire, ou doit faire action de grâce pour mon Dieu, ou doit reconnaître la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Et le croyant qui est guéri, le conscient, et rend action de grâce à bon Dieu qui guérit. Voilà. Voilà, mes bien-aimés. Ça, David a expliqué nous dans psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes les maladies. D'ailleurs, son nom, en Exode 15, 26, il est Jéhovah Rapha. Vous voyez ça? Notre Dieu, il est Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, c'est lui qui te guérit. Vous voyez, il est Jéhovah Rapha, le guérisseur par excellence. Le guérisseur de toutes les maladies. Je souhaite que bon Dieu bénisse, je souhaite qu'il accompagne, je souhaite que les Kembeu reconnaissant et manifester reconnaissance envers mon Dieu ça pour s'allier et faire dans la vie. À nous préparer nous pour nous prier mon Dieu ensemble.
chercher bon Dieu avec la sœur Lodie Désir, sœur Michel Seyan, on a prié avec la sœur Solange Gentil, sœur Charles-Marche, sœur Alexandra, on a prié avec frère Jean Sanon, on a prié avec la sœur Wilda Jean-Baptiste, on a cherché bon Dieu avec sœur Rosita Toussaint, on a prié avec sœur Joanne Gentil, on a prié également avec sœur Yves Gentil et sa famille, sœur Mélène Pidem, son mari, on a prié avec la sœur Clément Silboin, on a prié avec la sœur Mélane Forestal, la famille Jean-Baptiste André, la famille Jean-Baptiste Célestin, on a prié avec la sœur Omélia Pasquier, la sœur Emmanuel Pierre, on a prié également avec la sœur Sylvanie Gentil, on a prié avec la sœur Victoire Michel, la sœur Yvan Simon, la sœur Paulette Théodule, on a prié avec la famille Lafalaise et frère Ronald Lafalaise depuis Florida, docteur Hubert Lacombe et sa famille. Et Fesse Baptiste Church Restoré, on a prié à cœur, on a prié avec Claude Lacombe depuis Florida, on a cherché bon Dieu également avec la famille Jean-Richard Joseph. On a prié avec la sœur Linda Petit, Galine Petit, frère Josué et sa femme. On a prié avec eux, on a prié avec famille Xélu Jean-Fritznel et puis tous les frères et sœurs de l'église de Dupontif de France. On a prié avec pasteur Jacques Otsem, pasteur Pierre-Daniel Versailleau, docteur Emmanuel Toussaint, pasteur Dorothy, pasteur Mena, pasteur Saint-Julien. On a prié avec pasteur Louis-Jean, pasteur Pierre-Daniel Versailleau, on a prié chercher mon Dieu en ce moment. On a prié avec frère Isaïe Louis-Saint, docteur Didier, docteur Calvin Cole, on a cherché mon Dieu avec la sœur Olguin Supré famille, la sœur Kathleen Laguerre-Jasmine famille, on a prié avec la sœur Louisa Sénégal, on a cherché bon Dieu également avec sa sœur Denise Saint-Élie, ses familles. On a prié également avec frère Sam Edouard, la famille Bertoni François, on a prié avec pasteur Jean-Osé Lilith, le miracle de Dieu. Voilà, le Dieu qui guérit, Jéhovah, Rapha pour pasteur Lilith. On a prié avec lui, on a prié également avec pasteur Marie-Rose Michel. Non pas oublié pasteur Sidoine Lucien qui est toujours en bas appareil là. On a prié bon Dieu pour l'établissement complet, pasteur Caleb Lucien. On a et toute la famille, on a prié avec pasteur Yvon Jacquet. On a prié chercher bon Dieu avec la sœur. La sœur Suzanne, là, de sa famille depuis New York, on a prié également avec la sœur Josette Mérisier, on a prié avec Francisca Supri, on a prié avec toutes nos familles d'Haïti, on a prié avec eux, c'est Inacil Pierre-Louis qui est là, on a prié également avec un frère Joseph Napo, on a prié chercher bon Dieu avec la famille. Josh Gentil, sœur Marie-Rose Desbois, depuis Calcari, sœur Adrienne Mathieu, depuis Calcari, n'a prié à Kyo. N'a pas prié également avec tous nos frères et sœurs de Gabaon Baptist Church. Tu pas oublier frère Willy Thomas, frère Tola Malamotte, sœur Rosine Joseph, sœur Nancy Café, sœur Loa, sœur Josette Désir. On pas oublier eux. N'a prié également avec pasteur Edouin Antoine pour réconforter. On n'a pas cherché bon Dieu également avec tous les frères et sœurs de l'Église de Dieu du Sud, pasteur Joël Métellus et puis l'Assemblée évangélique. La grâce, on a prié avec Baptiste, l'Église Baptiste Weston, Bethesda, Bethel, Nouvelle-Jérusalem. On a prié avec Gabaon, on a prié avec tous nos frères et sœurs qui veulent son bon Dieu, la sœur Rose, la sœur Rose d'Orval, Rose Vital et toute la grande famille Vital, on a prié également avec la sœur Yvonne Jolicoeur Vital. On va chercher mon Dieu ensemble, bien-aimé. Notre Dieu, notre Père, notre Libérateur, notre grand Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel là. Dans minute ça, Seigneur, nous devant, en tant que bon Dieu, nous demandons pardon pour offense nous, pour ça nous fait qui mal devant. Nous demandons pour aider nous, pour nous retenir en volonté. Seigneur, merci de ce que c'est là qui pardonne tout péché, toute iniquité. Seigneur, ou lessivez nous. Ou mettez dans la condition pour nous servir. Nous bénissons pour sa Père. Et dans la minute ça, nous livrons bas complètement. Ou c'est bon Dieu, non. Ou c'est maître, non. Ou c'est papa, non. Ou c'est libérateur, non. Seigneur, c'est dans où nous confier, non. Et là, nous avons un problème, c'est où nous chercher. Seigneur, nous connaissons.
c'est vous-même qui avez pardon pour nous. Personne n'a pas pardonné nous pour mettre le Seigneur Jésus-Christ dans la vie éternelle. Et c'est peut-être ça, la minute, ça nous demande pardon pour chaque fois ces semaines. Chaque fois ces semaines qui devront qu'on y a, chaque fois avec ces Ma demande au pardon, pardonnez-vous, purifiez-vous, lavez-vous, sanctifiez-vous, laissez-vous. Fais-nous grâce, Seigneur, nous confions en vous parce que vous êtes berger, non. Et nous connaissons avec nous, pas manquer rien. Seigneur, vous avez guérison pour nous. Vous avez nous, Seigneur, péché devant vous, vous avez péché devant vous, guérir nous. Et vous avez guérison physique, nous, parce que des bagages ont marché ensemble. Seigneur, merci. Merci de ce que vous prenez soin de nous. Pas vle quitter Seigneur Jésus-Christ en tuer nam nou et en tuer kon nou tout. Seigneur t'en prie merci. Papa nan minute sa la prio pour la hasard nan pleve le ba ou Seigneur ou konnen li ou konn besoin li. Nan mande ou fè intervention pour li la seul ou dit désir et Marie li frère Whistler la Paul petite li nan leve ou ba ou frère li. Béni au Seigneur, prends soin, préservez, protégez. Aidez aucun béfem dans au pour servir au frère Frenel de Rosier, madame ni Norline petite li. Levez au bas au Seigneur. Levez dans mon semi chose Seigneur, on va visiter le con désir, le con que le con vision, le con projet li. Seigneur, merci de son pas accompli. Aidez le rester dans volonté pour le servir au Seigneur. Pour le faire volonté ou Seigneur me prie également pour la sœur Linda petit Galine frère José petit et madame ni me lever cette famille là mais on a besoin au chaque Seigneur apprendre intervenu Seigneur pour yo et permettre que ba au victoire sous toute force ba au victoire et élever en dignité Seigneur élever tête yo fait que au content Seigneur on connaît ça tant d'amour ça demande ou T'en prie, Seigneur, répondre la prière au papa. La sœur Wilda Jean-Baptiste, levez le bas, béni petite fille, Seigneur, accordez-le grâce à faveur, à famille. Cachez-le en bas l'ombrage, bas la protection par et protection famille, pouvoir protection famille. Qu'un béni en grâce, ou aidez-le vraiment plus chaque jour, aidez-le mettre plus, Seigneur, intérêt dans servir chaque jour. Béni les Seigneur, moi clame grâce pour lui. Moi clame pardon pour péché, moi clame Seigneur. Puissance Saint-Esprit dans la ville, Seigneur. Réclamez, Seigneur, bénédiction spéciale. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Réclamez dans le nom de Jésus pour ce Wilda. Et également les bénédictions, Seigneur, matérielles qu'on a besoin de tout. Bénis à ce Mirland, Seigneur, besoin. Réclamez grâce pour lui. Réclamez bénédiction dans le ciel, la police, Seigneur, et bénédiction sous terre. Et c'est une bénédiction sous terre, réclamer dans mon pour les jours d'hier, c'est la guérison. Pour balon santé parfaite, c'est une santé robuste. Pour continuer à servir, Seigneur. Et visiter famille, Maril, orienter Maril vers vous-même pour servir bien. Et petit Lio, Seigneur, Stanley, Keke, m'leve au barou, béni. Agis pour vous parce que c'est berger, Seigneur, la soeur Solange gentil. M'leve le barou, Seigneur, qu'on est là. Ou remè l'empile, ou konè l'remè, ou li vle servi, ou nan pman de otan pri. Prends direction la vili, Seigneur, pour contrôle la vili. Conduis dans le droit chemin. Aide le Seigneur, pour le fixer au regard sou même, Seigneur, pour le quitter ses volontés qui fait dans la ville. Se Johan, gentil, me levi Johan, ba ou. Seigneur, fais volonté dans la vie, Johan, a petit li yo. Prends code la vili, Seigneur. Prends code la vie, se Johan. Ba direction pa ou. Ba l'orientation par. Et Seigneur, fais le servir, Seigneur. Fais le servir. Ou bon pour lui, ou bon pour lui, Seigneur. Ou bon pour lui en pile. S'il servit avec tout lui-même, petit lui, ou bon pour lui en pile. Ou bon, Seigneur, tout le monde qui servit déjà, il témoigne qu'il est bon pour lui. Même qu'on a bon pour ce jour, aide le Seigneur, bénis-le. Petit lui, préservez-le. L'Éternel des armées, a prié pour la sœur. J'ai ta la belle, frère Kidney. Et petite Lio, Seigneur, levez au bas où. On va préserver, on va protéger, on va prendre soin, on va garder, on va guider. On va faire provision pour vous. Frère Pierre Gentil, Seigneur, Secret Lee, Junior, Steve et toute la grande famille. Seigneur, cette famille, levez au bas où. Seigneur, voir à leurs besoins, pouvoir leurs besoins.
Essayez de connaître le cœur, raffermez le cœur et de rester servi au Seigneur comme des vrais serviteurs et servantes. Nous venons dans le monde, Jacques, si ces enfants et visitez accordez-vous grâce pour rester dans le pied, pour continuer à servir au Seigneur. Fais ça pour frère Joseph, Napoule, Seigneur. Bazé Napoule, Durand Napoule, Seigneur, béni. Touchez frère Durand Napoule, guéril net allé, Madame Nicelosia. Ne fais pas au Seigneur, fais grâce. Petite fille, ne fais pas tout bas, ou capable ou fidèle. Ou son bon Dieu exceptionnel, ou son bon Dieu merveilleux. Seigneur, ou connaît ce chalman, c'est Alexandra, Marie-Li, Seigneur. Petite Léo, ne fais pas au préservez-le. Accordez-le grâce avec faveur, pao. Essayez pas quitter aux jambes troublées dans l'esprit. Rempli avec Saint-Esprit, montrez-vous la bonne voie. Vous marchez, Seigneur, pour vous servir dignement. Frère Jean Sanon, non, mais béni, Seigneur. Fais intervention parce que vous êtes un grand bon Dieu. Où est-ce qu'on a agi, où qu'on béni, où qu'on parle, où qu'on libère, où qu'on délivre. Fais intervention, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Fais grâce à Frère Mayol Guerrier, Madame Nicoline da Petite Lio. Fais grâce, Seigneur, à Jude Jean-Baptiste. Frère, Seigneur, André Jean-Baptiste et Madame Nicoline, fais grâce. Visitez famille Célestin Jean-Baptiste, Yvonne Jean-Baptiste. Seigneur, visitez Frère Jean-Baptiste avec toute famille. Merci, Seigneur, de ce que vous permettez que Athalie, Seigneur, boucle cycle d'études, ça, Seigneur, qu'on est à préparer pour entrer dans le collège béni. Fais grâce à la famille Jean-Philippe, Seigneur. Continuez à rester dans la vie, Seigneur. Merci pour Stéphane. Seigneur, qui a gradué et pour aller prendre l'autre étape dans l'étude. Également pour Francis, Seigneur. Qui a connu l'autre étape, Seigneur, dans l'étude. Merci. Merci pour tout l'autre jeune, nous, dans Gabaon qui a gradué. Merci, l'Éternel. Merci pour Kitlen. Merci. Merci pour Soye, pour Yo. Merci pour son fait. L'Éternel des armées, nous sommes capables de consolider les jeunes, Seigneur. Nous devons au Jenica, Seigneur, Jessica. Nous devons à mon Bianca, Steve, Junior, Seigneur. Oh, nous prions, Seigneur, pour. Seigneur, pour nos deux jeunes de la Sœur Galine. Nous devons à mon Ova Kembe, on a grâce au Stanley, Kitlen. Nous devons à mon l'Éternel des armées. Sébastien, Stéphane, Ganaël, Gaëms, nous levons nos mains. Nous voulons accorder grâce à faveur, Seigneur. Levez, Seigneur, dans deux plans mains, Seigneur. La fille de la sœur, Rosie, nous va garder, Seigneur. Nous va garder également, Seigneur, les enfants du frère Roni, Pochette. On va garder cette famille, on va kembe, oh Seigneur. On prie également, Seigneur, pour petite fille, la fille de la sœur Monique et Avel Léa. Nous levons toute cette famille dans la mer. Tous nos jeunes, Seigneur, nous levons Nesson, Atali. On va visiter, oh Seigneur, on va cacher en grâce. On va kembe, oh l'Éternel. On prie pour Bouvier également. On va ramener le kembel, ramener le vers au même peuple chaque jour. Seigneur, la vie jeune, c'est pour ou remettre en pile. Ou gain grâce pour nous, gain miséricorde pour nous, gain faveur pour nous. Manifestez faveur pour nous, Seigneur. Oh, les enfants de la sœur Denise Saint-Élus, nous levez au barreau, Seigneur. Les enfants de la sœur Rosny, nous levez au barreau. François, nous en mêlons. Cachez au Seigneur. Serrez-vous. Prions pour Vladimir, Seigneur René. On va visiter les Seigneurs, On va faire grâce, Seigneur. Aux autres fils et fils et filles de la sœur Julie René, on va prendre main au Seigneur. On va prendre main au conduire vers vous-même pour vous chercher ou pour vous servir. Levez au bas au Seigneur. Fais grâce, ton Seigneur. Fais grâce à tous les jeunes. Seigneur, ça, nous avons échappé dans l'esprit, mais on connaît. Yo en pile, oui, Seigneur. Yo en pile.